quel est notre plan ? Notre plan ? Tu n'es plus un apprenti, petit. C'est à toi d'étudier ton environnement et d'échafauder ton plan. Compte pas sur moi pour t'aider. Aucune cible n'est hors d'atteinte. Vous, décampez. Allez. Mais où diable es-tu chez nous ? Si tu ne trouves pas de point faible, crée-en un. Vous avez fouillé la cathédrale ? Oui, monsieur. Bien. Dites à Sivert que je le verrai à l'intérieur. Partout, il y a des possibilités. À toi de les trouver. Vous ! Rendez-moi vite mes clés ! Voleur ! Et si tout ce que tu tentes échoue ? Pourquoi ne pas te sacrifier pour la cause, ta vie pour la sienne, avant Altaïr ? C'était la voix des assassins du Levant. Tu voudrais que je l'assassine en plein jour et que je me laisse tuer sur place ? Le message n'en est que plus fort. Je ferai à ma manière. C'est à toi de choisir, assassin. Les gens sont...
Merci. Que Dieu vous bénisse. Cosam meam de gente non sancta. Ab homine iniquo e doloso erue, qui atu est Deus, fortitudo mea, quare me repulisti, et quare tristi cuscedo. Dumas vivit me in inimicus, de mise lucem tuam et veritatem tuam. Ipsa me deduxerunt, et adduxerunt in monte. Allez. Et in tabernacula porte adjutorium nostrum in nomine Domini. Écartez-vous. Feci celum et terra. Introibo ad altare Dei. Ad Deo electificat juventutem mea. Judica me Deus et discerne cosam meam de gente non sancta. Ab homine iniquo et doloso erue. Qui ad vest Deus. Attendez ici. Veillez à ce qu'on ne soit pas dérangé. Sivert. Monsieur Latouche, je viens voir le roi des mendiants. Suivez-moi. Les intrigues des rats. Idiot prétentieux, si jamais je mets la main sur lui.
Tiens, qu'y a-t-il de si important pour m'éloigner de ma vie en ce jour? Tout va bien, monsieur? Vous avez abusé du champagne? Sivert, il faut partir! Il y a quelqu'un? Les vrais patriotes! Je vais te rattraper! Moi, je préférerais mourir en battant! Ce n'est pas notre maudit contre-révolte. Bon sang, mais laissez-moi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis là, Bishop. C'est un balayage de serveurs. Abstergo nous traque. Et ils sont tout proches. Merde. Tu peux ouvrir une passerelle entre serveurs? Eh, tu me connais, je suis déjà dessus. J'en ai pour 2 secondes. Initié, on va ouvrir une passerelle entre serveurs. Trouve le portail avant que le balayage ne te localise. Je l'ai, c'est bon. Tu le vois? Difficile de le rater, non? Changer de serveur unique devrait pouvoir te donner quelques heures de répit. Et sinon, on est foutu. Enfin, pas nous. C'est ton initié qui va en prendre plein la gueule. Deacon, tu n'aides pas, là. Thank you.
Bishop, c'est un balayage de serveurs. Abstergo nous traque et ils sont tout proches. Merde. Tu peux ouvrir une passerelle entre serveurs? Eh, tu me connais, je suis déjà dessus. J'en ai pour 2 secondes. Initié, on va ouvrir une passerelle entre serveurs. Trouve le portail avant que le balayage ne te localise. Je l'ai, c'est bon. Tu le vois? Difficile de le rater, non? Changer de serveur unique devrait pouvoir te donner quelques heures de répit. Et sinon, on est foutu. Enfin, pas nous. C'est ton initié qui va en prendre plein la gueule. Deacon, tu n'aides pas là! Le signal tient. Parfait. Tu es désormais hors de la simulation principale. Ça va semer les agents d'Abstergo pendant un moment, mais je t'avertis, tu vas aussi tomber sur du code incomplet et endommagé. Ça explique pourquoi les gens que tu croiseras ne sont pas vraiment là. On dirait le Paris de la fin du 19e. Voilà un Paris que j'aimerais bien visiter. Ce sera pour une autre fois. Pour l'instant, tu dois rejoindre le portail de sortie. Mais je ne vois aucun chemin. Essaie de trouver un trajet souterrain. Tu ne trouves pas que le Paris de la Belle Époque est beaucoup plus propre que celui de la Révolution? C'est bon. J'ai trouvé un chemin passant par la station de métro devant toi. Bordel. Ce secteur devient instable. Tu dois descendre sous la surface. Dépêche-toi.
énergie instable. Impossible de savoir quel effet il aura sur la simulation. Je dirais que tu vas devoir escalader la Statue de la Liberté. Elle doit provenir d'une autre période. Les Français devraient déjà l'avoir envoyée outre-Atlantique. Va jusqu'au portail. Je vais faire ce que je peux pour l'empêcher de se refermer. On se retrouve de l'autre côté. Retour. Tout le monde n'a pas ta chance pour leur premier passage entre serveurs. Parfois, nos initiés restent coincés dans le système, et on est obligé d'envoyer quelqu'un comme toi pour les sauver. D'ailleurs, l'un de nos initiés vient de se faire piéger dans un serveur de la Belle Époque. S'il te reste des forces, tu peux retourner là-bas pour le ramener. Très bien, c'est reparti, initié. Toi.
Qu'est-il fait cette fois? Non,
Bonsoir, bonsoir, et merci d'être parmi nous. Ce soir, l'inestimable Madame Leclerc et moi aborderons un sujet cher à nos cœurs. Sommes-nous dimanche ? Qui peut encore le dire ? Nous parlons, bien entendu, du nouveau calendrier. Ou comme je l'appelle, de la migraine nationale. Mais quel est le souci, au juste ? Si j'écris à ma cousine de Douvres en employant ce nouveau calendrier, vais-je relancer la guerre de 100 ans ? Non ! Mais mieux vaut espérer que votre missive alors ne soit pas urgente. Alors pourquoi tout ce tintouin ? Sommes-nous une nation tant obsédée par le système décimal que nous devons plier la nature à notre volonté ? Cela me semble être le cœur de la... J'aimerais avancer. Ce puits est à l'abandon depuis des années. Nous gagnerions beaucoup à disposer d'eau fraîche. Je suis à votre service. Comment ça ? Je vais t'étriper, bandit ! Très bien. Poursuivez sur cette voie et vous serez imbattable.